بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكنا عزيزي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين، السلك الابتدائي وكذلك السلك الإعدادي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من تشجيع ديالكم، اللايكات للكومنتر، بارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع، وشكرا شكرا جزيلا لكم. بونجور ا توت، بونجور ا توس، بونجور ا تو لي فان دو ما شين. كوم دابيتود جو سوي ريفوني بور فو بريزونتي اون نوفيل لوسون دو لا لانغ فرونسيز. سي تي لوسون ديستيني اوز ايكوليي اي اوز ايكوليير دو لا سيزيام اني انسينومون بريمير. سوي اتونتيف اي سويفي بيان. Lecture, la discipline, c'est la lecture, sixième année, enseignement primaire. Il s'agit de l'évaluation et consolidation. Évaluation et consolidation. Le titre du texte, la tour Eiffel. La tour Eiffel, ça veut dire Burj Eiffel. Burj Eiffel, bifaransa. La tour Eiffel, hein, donc on parle de la tour Eiffel, est le symbole de la ville de Paris. La tour Eiffel, c'est le symbole Rams d'Yel Medines Beris. Il a été construit par Gustave Eiffel. La tour Eiffel, elle est construite par Gustave. Il a nommé la tour Eiffel par son nom. Pourquoi il s'appelle Gustave Eiffel? Et il a donné à la tour le mot Eiffel. Et voilà. Pour l'exposition de Paris, hein, l'art, l'alami, bien faran, faran ça, en 1889. La tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. Il est très très haut, 312 mètres de hauteur. Lorsqu'il a été construite, la tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde. Le plus élevé du monde. Et il l'est resté pendant 40 ans. C'est un site, un touristique, très important. Il accueille chaque jour un nombre considérable. De visiteurs, hein, un nombre considérable de visiteurs, environ 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque année. Chaque année, 7 millions de visiteurs visitent la tour Eiffel. Hein, 7 millions de touristes. Hein, les touristes, il y en a beaucoup de touristes. Alors voilà, 7 millions chaque année, du haut de la tour Eiffel, on peut voir, quand on monte, hein, quand on monte la tour Eiffel, ça veut dire on monte 312 mètres de hauteur, on peut voir tous les monuments qui se trouvent dans la ville de Paris. Je passe à l'autre tableau pour terminer l'explication. Alors avant de passer à l'autre côté, je vais essayer de souligner les adjectifs qui sont dans le texte. La tour Eiffel, lorsqu'elle a été construite, donc nous avons élevé et nous avons important touristique considérable. Donc voilà, je passe à notre tableau pour terminer l'explication. Bien, je termine l'explication, la lecture. Alors, les principaux monuments. Principaux, les monuments, comment sont les monuments? Ils sont principaux, donc c'est un adjectif.
La cathédrale. Donc voilà les monuments qu'on peut voir de haut de la Tour Eiffel. La cathédrale, hein, on peut voir la cathédrale, Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'arc de triomphe. Mais aussi on peut voir le fleuve, hein, واحد النهر او واحد الواد نقدروا نستطيع ان نطل عليه من اعلى هذا البرج. On peut aussi voir le fleuve qui traverse la capitale et qui s'appelle la Seine. C'est un grand fleuve qui mesure à peu près 774 km de longueur. Hein? C'est très long. La tour Eiffel est située sur le champ. Hein? Il est situé sur le champ de Mars. Il est situé sur le champ de Mars. C'est un parc. Hein? Alors, le champ de Mars, c'est un parc. Où les gens viennent se promener en famille. Ils viennent se promener enfin en famille. Tout en haut de la tour, tout en haut de la tour Eiffel, il y a des antennes. Comment ça s'appelle en arabe? Des antennes, hein, des antennes qui émettent des programmes de la radio et de la télévision. Ils émettent les programmes, ils émettent des programmes de la radio et de la télévision. Il y a même des restaurants. Il y a même des restaurants. Donc voilà le texte de lecture. Hein, il parle de la tour Eiffel, la construction, la hauteur, hein, etc. Donc on passe à la réponse des questions. Bien, je termine. On passe à la réponse des questions. Alors, je réponds aux questions. Premièrement, qui a construit la tour Eiffel? Qui a? Quand on pose la question avec qui, on trouve le sujet. Hein? Qui a construit la tour Eiffel? Et quand? Men bena had burj el Eiffel ou matin? C'est Gustave Eiffel. C'est Gustave Eiffel qui a construit la tour Eiffel. En 1889. Deuxièmement, que représente la tour Eiffel? Qu'est-ce qu'il représente la tour Eiffel? La tour Eiffel, il représente, ou bien il représente le symbole de Paris. Quand on dit la tour Eiffel, c'est le symbole de Paris. Ramz bien Paris. Quelle est la hauteur en mètres de la tour Eiffel? Alors la hauteur de la tour Eiffel, il mesure 312 mètres de hauteur. 312 mètres de hauteur. Quels sont les monuments qu'on peut voir du haut de la tour Eiffel? Bimana, je connais le ma'alim tarikhia li yemkin lina ntlou 'liha min fouq le burj dial Eiffel, min a'la le burj. Alors, du haut de la tour Eiffel, on peut voir la cathédrale Notre-Dame, on peut voir la tour Montparnasse et on peut voir l'arc de triomphe. L'arc de triomphe. Trois monuments principaux. On peut voir aussi la Seine. C'est un fleuve, c'est un grand fleuve. Comment s'appelle le fleuve qui traverse la ville de Paris? Il s'appelle la Seine. Donc voilà, la Seine, c'est un fleuve, c'est un grand fleuve qui traverse la ville de Paris. Qui traverse la ville de Paris. Il est très connu, il est célèbre, il est fameux, etc. Donc, dans quel parc la tour Eiffel est-elle située? Elle est située dans le champ de Mars. Elle est située dans le champ de Mars. C'est un parc où les gens viennent se promener, etc. Relève les adjectifs qualificatifs et indique à quoi ils servent. Alors, dans le texte, il y a l'adjectif universel, il y a élevé, il y a touristique, il y a important, il y a principal, il y a considérable, il y a grand. Alors, ces adjectifs dans le texte, il y a 7 adjectifs. Hein? Donc, puisqu'il y a des adjectifs dans le texte, on peut dire que le texte est un texte descriptif. Ça veut dire qu'il décrit. Donc, le rôle des adjectifs, ils décrivent. Il décrit al-wasf. Il décrit al-wasf. Bon, voilà la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon-là. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.